J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as appris la nouvelle dans les derniers jours. Je l'ai dit sur mes médias sociaux. J'avais teasé, j'avais envie de teaser euh, ma communauté, fait que j'avais envoyé un, une publication cette semaine pour dire, j'ai une grande nouvelle pour les gens du Québec. Vous pensez que c'est quoi? Est-ce que moi et Phil, on s'achète une maison? Est-ce que j'organise un événement? Ou encore, est-ce que je fais mon retour à la télé? Et la réponse, j'organise un événement en présentiel le 15 juin prochain. Je suis tellement excitée parce que pour vrai, j'ai pas organisé d'événement en présentiel depuis 4 5 ans. La dernière fois que j'ai organisé des événements en présentiel, c'était à Gatineau, mais vraiment un événement que moi j'organise avec mon stage, les gens que j'ai envie d'inviter, ben ça fait vraiment plusieurs années. J'ai déjà fait des retraites, retraites au Costa Rica, retraites au Québec, mais j'ai été beaucoup invitée dans les dernières années sur différents stages, ce qui a vraiment été génial pour moi. Mais là, j'avais le goût d'avoir mon stage. Et là, je sais que les gens ont beaucoup. Euh, en fait, ça m'a stressé un peu au début parce que je me suis dit les gens vont avoir des grosses attentes par rapport à mon stage. Ils vont s'imaginer que ça va être flyé, coloré, qu'il va y avoir une Westphalia dans l'entrée. Mais là, je suis dans un autre mood. Présentement, je suis en train de changer puis transformer mon identité. Je vais vendre la Westphalia. Je suis vraiment dans un mood de femme puissante. On va être plus là-dedans. C'est une journée d'empowerment au féminin. Déployer sa voix et affirmer son pouvoir. Je suis vraiment excitée d'animer ça. Et c'est autant pour les entrepreneurs que pour les femmes qui veulent être capables de s'exprimer encore plus. C'est vraiment une journée d'inspiration, d'empowerment, où j'ai invité sur scène 12 femmes exceptionnelles qui ont été coachées par moi dans leur prise de parole dans les derniers mois. Il y a des filles qui ont déjà fait des conférences, il y en a que ça va être leur première fois, mais je peux vous dire une chose leur histoire, toutes les histoires de toutes les filles qui vont être là sont phénoménales. En fait, ce que j'avais le goût, c'est de montrer à quel point une femme qui raconte son histoire a la possibilité de transformer le monde et la vie des gens. Puis, tu sais, souvent, quand on fait des gros événements, on invite des vedettes. J'aurais pu inviter des amis à moi, des coachs que tout le monde connaît qui sont des vedettes, mais je me suis dit, ces gens-là, transforme déjà le monde d'une certaine façon. Mais il y a plein de femmes qu'on ne connaît pas qui ont le pouvoir avec leur histoire de changer le monde. Puis je pense que c'est important que vous les entendez, ces femmes-là, parce que ça va vous faire réaliser à quel point la journée que tu vas le faire, ça va avoir un impact vraiment important dans ta vie. Donc, ça va vraiment être une journée pour se booster, pour s'inspirer. Je vais faire aussi de l'enseignement parce que je veux. Donner de l'enseignement pour être capable de déployer sa voix. Je suis vraiment là-dedans en ce moment. Donc, oui, je vais donner des conseils, des outils pour que tu sois capable de prendre parole. Mais si tu as le goût de venir avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, ça va être une journée inspirante de développement personnel, peu importe que tu aies une business ou pas. Donc, juste quand même que tu le saches que tu peux venir avec des amis à toi qui n'ont pas de business. Ce n'est pas un événement business, c'est un événement empowerment. Au féminin. Donc, je suis vraiment excitée. Puis, j'avais le goût qu'il y ait un maximum de monde possible et que le prix ne soit pas une limitation. Ça fait que c'est 25 pour venir, 25 plus taxes. Euh, il y a déjà plusieurs billets qui ont été vendus. Puis, on a 200 places maximum. Donc, faites vite si ça vous intéresse. C'est le 15 juin prochain à Laval, au Cabaret C. Puis, euh, ça va être l'occasion de se voir en personne parce que je n'ai pas beaucoup l'occasion de voir ma communauté en personne. De voir les gens qui me suivent, de voir les gens qui écoutent le podcast. Donc, c'est aussi mon cadeau à moi de pouvoir te voir, de pouvoir voir les gens qui m'écoutent, qui me suivent. Donc, viens faire ton tour, tu ne le regretteras pas. Il va y avoir des belles surprises durant la journée, puis euh, ça va être hyper puissant et transformateur. Donc, voilà, je mets les liens de l'événement dans l'épisode de podcast. Donc, tu peux acheter tes billets dès maintenant. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de sensibilité puis d'émotion, puis c'est intéressant parce que ça, c'est une des choses que j'ai abordées avec les filles qui vont être sur le stage le 15 juin prochain. Des fois, il y a certaines personnes, il y a certaines femmes qui ont cette tendance-là à être très émotives de base. Des filles qu'on appelle peut-être hypersensibles ou qui sont très sensibles émotionnellement et c'est leur crainte. Leur crainte c'est de se mettre à pleurer sur le stage. Leur crainte, c'est que leurs émotions prennent trop de place et qu'elles aient l'air d'une victime, que les gens aient pitié d'elles. Ça, c'est quelque chose que j'entends énormément souvent, que certaines de mes clientes m'ont verbalisé, les filles qui vont aller sur le stage le 15, mais aussi des clientes qui sont dans Oratrice, des clientes que j'accompagne qui ont cette crainte-là. Moi, Steph, là, mes émotions là, prennent énormément de place. Puis, quand je raconte mon histoire... J'ai le goût de broyer. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on pleure, on n'arrive pas toujours à faire passer notre message de manière solide, de manière fluide, de manière puissante. Et je peux comprendre. Moi, je ne suis pas hypersensible. Je suis quelqu'un qui est très sensible, mais je ne me considère pas comme une hypersensible. J'ai de l'empathie pour les gens, mais j'ai quand même un, un côté énergie masculine assez développé. Par contre, j'ai une mère. Très hypersensible, qui est toujours comme ça. Donc, je le sais, c'est quoi vivre avec quelqu'un qui est hypersensible. Puis, je pense que c'est pour ça que je ne le suis pas. Pour être tout à fait honnête avec toi, je pense que je l'étais quand j'étais jeune, parce que j'étais très sensible, je vivais de l'intimidation à l'école, tout me rendait émotive. Puis, je pense qu'à un moment donné, à force de voir ma mère comme ça, à force de me voir comme ça, moi, personnellement, je l'ai vu comme un signe de faiblesse. Puis, probablement qu'il y, y a une certaine. Peut-être carapace que je me suis créée, mais aujourd'hui, je suis bien dans ce que je suis, puis je ne retournerai pas en arrière non plus parce que je le sais qu'il y a des, des moments de ma vie où j'étais tellement émotive que je n'arrivais juste pas à avancer. Puis j'en ai des amis hypersensibles, puis j'en ai des clientes hypersensibles qui sont des femmes d'action incroyables. Et moi, j'en ai besoin des femmes comme ça qui travaillent avec moi parce que c'est des femmes qui ont la capacité, le pouvoir de transformer le monde. Mais parfois, c'est comme si leurs mots, quand elles se mettent à verbaliser leurs mots, elles se blessent avec leurs mots. Ça, c'est une des choses qu'on travaille avec nos clientes, le, ne pas se blesser. Donc, je sais que mon intro est un peu longue, mais tout ça pour dire que quand on est hypersensible, on veut quand même être puissante. On veut quand même que notre message passe. On veut que notre intervention soit solide. On ne veut pas que les gens retiennent bon. On s'est bien à broyer. Bon, c'est ça qui est ça. Son histoire est pas facile, la petite. On veut pas entendre ces choses-là. Donc, c'est quoi les trucs qu'on peut mettre en place quand on est une hypersensible pour justement avoir des interventions qui sont solides? Donc, j'ai cinq trucs aujourd'hui pour toi si tu es dans cette énergie-là, si tu te sens hypersensible. Donc, cinq trucs pour toi aujourd'hui. Premier truc, c'est Concentre-toi sur l'impact que tu vas avoir avec ton histoire dans la vie des gens, au lieu de te focaliser sur l'effet que l'histoire peut avoir sur toi. Parce qu'en fait, quand on raconte notre histoire, qu'est-ce qui fait qu'on se blesse, qu'est-ce qui fait qu'on est hyper émotif, c'est qu'on est trop connecté aux émotions de notre histoire. Puis on le sait quand on est hypersensible ou si c'est ça que tu es toi que tu te qualifies comme ça tu sais, le but c'est pas de mettre d'étiquette. on peut être très sensible puis avoir peur de raconter des histoires vulnérables mais quand on est très sensible émotionnellement bien on a des capteurs ultra puissants de sensibilité tous nos sens sont activés donc, le visuel, le kinesthésique, l'auditif. Donc, quand on se met à raconter une histoire, puis quand les filles se mettent à appliquer mes trucs de storytelling où on va travailler avec les sens, justement, bien, souvent, elles ont la chienne d'appliquer les trucs. Parce qu'elles sont comme j'aimais mieux mon ancien storytelling, qui était moins émotif, qui était moins sensoriel. Mais moi, je fais du storytelling sensoriel avec mes clients. Fait c'est sûr que les filles qui sont hypersensibles capotent parce qu'elles se disent, c'est trop fort pour moi. Puis ça arrive, là, que des fois, j'ai des filles qui partent en sanglots pendant qu'elles racontent leur histoire, et c'est qu'elles sont trop dans leur histoire. En fait, c'est ça la problématique. Elles sont tellement dans leur histoire, elles voient tellement les choses de façon vive, elles ressentent les choses de façon tellement forte qu'elles ne se concentrent plus sur leur audience. Elles ne se concentrent plus sur à qui je parle. Pour qui je raconte cette histoire-là? C'est comme si elle le racontait pour elle-même. Parce que quand on est connecté vraiment, vraiment, vraiment très fort à notre histoire puis qu'on est vraiment connecté à notre histoire, c'est comme si on était en train de se faire une thérapie intérieure. Mais c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est aider les gens. Ce qu'on veut faire, c'est impacter les autres. Et pour ça, il faut que notre histoire, on se détache légèrement qu'on se concentre sur à qui je parle, pour qui je raconte cette histoire-là. Et c'est ça qui va faire une différence chez les femmes pour qui c'est très sensible, leur histoire. Ça, c'est un des trucs parce qu'il y en a d'autres, évidemment, puis tout dépendant de notre personnalité, mais il faut en tester. Numéro deux, gestion de la posture et de la réaction corporelle. Émilie, dans mon équipe, elle est vraiment forte là-dessus pour aider les filles à vraiment ressentir. Où est-ce que ça fait mal quand tu racontes ton histoire? Puis d'ailleurs, elle les aide à ne pas se blesser. Parce qu'elle-même, elle est très sensible émotionnellement. Puis en tant que comédienne, quand tu pars dans des personnages, je ne sais pas si tu savais, mais des fois, il y, a des, il y a des comédiens, il y a des acteurs qui font des dépressions parce qu'ils jouent tellement des personnages qui sont rough. Ils jouent tellement des personnages qui sont difficiles émotionnellement. Puis. Ce qu'ils font des fois certaines personnes, c'est que pour aller chercher l'émotion plus facilement, ils s'imaginent des histoires qu'ils ont vécues difficiles. C'est ce qui peut faciliter la, les pleurs, c'est ce qui peut les amener à pleurer plus facilement. Puis tu sais, nous, on ne s'en rend pas compte, mais quand on raconte notre histoire, c'est notre histoire à nous, on peut se blesser à répétition parce que si tu racontes toujours un moment qui a été difficile dans ta vie, un moment où tu as vécu un avortement, un moment où tu as vécu un décès qui a été. Hyper difficile pour toi, puis qu'à chaque fois que tu en parles, ça devient super émotif. Et que là, tu ne te rends pas compte, mais ton corps, il te fait mal quand tu parles. Ça se peut que tu ailles mal au ventre quand tu en parles. Ça se peut que physiquement, il y ait des endroits qui tirent. Ça se peut que ton cœur se serre. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que tu ailles mal pendant que tu racontes ton histoire. Et c'est là qu'une hypersensible, des fois, peut se blesser. Donc, on va aller travailler la posture. On va aller aussi travailler la conscience des réactions corporelles pour, justement, s'assurer que quand tu livres ton message, tu peux le faire de façon solide, sans te blesser, puis être impactante. Et tu vas être encore plus impactante aux yeux des gens. Parce que ça se voit aussi quand tu te blesses, on, on le ressent. Quand quelqu'un raconte une histoire, puis on voit que c'est comme pas réglé, on se sent mal à l'aise. Et on ne veut pas avoir ce genre de malaise-là. Et ce qui va aider avec ça, c'est d'aller vraiment travailler ton corps pour que tu aies une posture de confiance. Et le truc que je t'ai donné avant va énormément t'aider aussi, le fait de. En fait, je te dirais que c'est une combinaison de tout ce que je vais te donner qui, qui fonctionne. C'est quasiment des étapes. Étape 1, concentre-toi sur ce que tu veux livrer au message pour l'autre personne. Détache-toi un peu. C'est pas pour toi que tu livres ton histoire, c'est pour l'autre. Ensuite, aie une posture de confiance, puis sois consciente si as mal dans ton corps. Comme ça, on va aller réajuster puis réguler les émotions. Ça, cette partie-là est beaucoup plus facile à faire en coaching privé parce que d'une personne à l'autre, les sensations physiques vont être différentes. Mais déjà, c'est aujourd'hui, grâce au podcast, tu es capable de réaliser ça. Mettons la prochaine fois que tu as l'impression que tu tombes dans tes émotions quand tu racontes quelque chose, essaie donc de te connecter à ce qui se passe dans ton corps. Puis ça peut être intéressant d'aller travailler après ces endroits-là. Parce que sinon, ça se loge physiquement. Puis on ne veut pas créer des blessures quand on s'exprime. Au contraire, on veut justement changer les gens, on veut avoir un impact, on veut que les gens nous écoutent. Donc si tu racontes une histoire qui est difficile pour toi, comme à un moment donné, moi j'avais une cliente qui devait partager un deuil qui a été énormément difficile pour elle, parce que même encore aujourd'hui, quand elle en parle, elle devient émotive, ce qui est normal. Moi aussi, je deviens émotive quand je parle d'histoires qui ont été marquantes dans ma vie puis émotionnelles. Et à chaque fois qu'elle se mettait à parler de, de ce décès-là, elle fondait, 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 fondait en larmes. Donc, il a fallu qu'on aille travailler ensemble tout ça. Parce que son objectif, c'était justement de faire une conférence. Fait que là, c'était ça aussi qui l'empêchait des fois d'aller là. Parce que quand on est hypersensible, ce qu'on fait des fois, c'est qu'on se braque. Dans le sens que on a tellement peur que les gens voient cette sensibilité-là qu'on fait d'autres choses avec notre corps. On essaie de le contrôler mais là c'est pas mieux il y a comme un entre deux entre je ressens une sensation physique qui est vraiment désagréable puis je suis en train de me blesser pendant que je partage mon message ou mon histoire et ben je vais essayer de contrôler parce que ce qui est intéressant là dedans c'est que cette cliente là que je te parlais elle avait tellement tellement peur qu'on ait accès à cette sensibilité que quand elle arrivait pour pratiquer sa conférence ben on sentait rien elle me parlait, j'avais l'impression que c'était du vent. Puis c'est pas méchant. Son histoire, elle est incroyable. Sauf qu'elle avait tellement peur qu'on accède à ses émotions parce qu'elle avait peur que ce soit trop. T'sais, elle avait peur là, que ce soit comme une chute, là. Ouf. Ça se met vraiment là, à. Il y en a partout là, de l'eau. Parce que c'est ça, les émotions, c'est relié à l'élément de l'eau. Puis elle, elle avait peur là, que ça déborde. Mais il y a un entre-deux, en fait. Puis c'est ça qui se travaille, parce qu'en fait, c'est pas mieux aller dans le sens contraire puis retenir l'eau avec des barrières. Quand tu retiens l'eau avec les barrières, bien, tu réussis pas à accéder aux émotions de la personne. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, puis je suis consciente de ça. Numéro 3, l'ancrage sensoriel. Comme... La force des hypersensibles, c'est de se connecter à leur sens, on va les utiliser dans le bon sens. <laughs> Je vais te dire ça de même. Dans le fond, là, ce qui fait qu'on se blesse, ce qui fait qu'on n'est pas bien, ce qui fait qu'on a le goût de pleurer quand on raconte notre histoire ou un moment de vulnérabilité, c'est parce qu'on est trop dans le passé. Si tu es dans le passé, dans le moment exact que tu as vécu, c'est sûr que tu ne fileras pas bien. Donc, ce qui peut t'aider, c'est de te ramener dans le moment présent en te créant un ancrage sensoriel. Quand tu es en train de présenter, mettons, tu es en train de présenter une conférence devant le public, puis là, ben, tu racontes ton histoire qui est difficile, tu parles de ta petite fille qui est tombée malade, mettons. Et là, tu es en train de parler de ta petite fille qui est tombée malade, et en fait, c'est normal que tu vives des émotions. Il faut que tu vives des émotions, sinon, ça va être plate. Puis en même temps, c'est parce que ce n'est pas vrai que tu n'as pas vécu d'émotions. Quand c'est arrivé, c'est pas mieux aller dans le sens contraire. Comme je disais tantôt, des fois, j'en entends des personnes dire ma petite fille était malade, fait que c'est ça qui est arrivé. Puis là, après, non, non, c'est comme je sens rien quand tu me parles de même. Quand ma fille est tombée malade, c'est là que j'ai réalisé que ma vie allait changer. C'est plus ce ton-là qu'on va aller rechercher. Par contre, ce ton-là, pour certaines personnes, provoque des larmes, provoque des pleurs. Et il y a des filles qui vont comme. Il va avoir peur que, que, que le flot d'émotions déborde. Ce qui peut aider, c'est l'ancrage sensoriel pour revenir dans le moment présent. Donc, si tu sens que les émotions montent trop fort, regarde, concentre-toi sur un point dans la salle. Ça peut être un objet. Mettons, exemple, tu pourrais te concentrer à regarder quelqu'un. Tu pourrais te concentrer à regarder une chaise qui est vide un peu plus loin. Où tu pourrais te concentrer à regarder une, une toile de peinture que dans la pièce tu ramènes ton attention au moment présent au lieu d'être dans le passé. Parce qu'en fait, quand on est hypersensible, ce qui arrive, c'est qu'on a, par expérience de, de, des femmes avec qui je travaille, c'est que souvent elles vont être dans le sensoriel de l'événement du passé. Fait que, exemple, si on est encore dans l'histoire que ta fille est malade, tu es en train de revivre les mêmes. Émotions étaient en train d'avoir accès à tout ce qui est le visuel à ce moment-là, l'auditif à ce moment-là. C'est une grande capacité de pouvoir avoir ça. By the way, c'est un don aussi d'être hypersensible, dans le sens que moi, les filles avec qui je travaille, qui sont hypersensibles, c'est les meilleures pour raconter des histoires. C'est les filles qui peuvent me donner le plus de détails émotionnels, le plus de détails sensoriels. C'est extraordinaire. Ils ont des grandes capacités d'oratrice. Fait que ça, c'est important que je te le dise. La seule chose, c'est qu'elles s'empêchent d'utiliser leurs dons parce qu'elles ont peur. Elles ont peur. Elles ont peur que ce soit trop. C'est un peu là, comme quand on parle des gens qui sont très spirituels. Il y a beaucoup de femmes d'entrepreneurs spirituels qui ont peur d'avoir l'air de, tu sais, l'espèce de classique, là. la fille qui a l'air d'un peu weirdo qui est déconnectée de la réalité, là. Celle qui a l'air de la sorcière euh, multicolore, puis que genre, wouhou, elle parle juste en, en, en cosmo, là. Beaucoup de femmes spirituelles ont peur d'être associées à ça. Mais c'est un stéréotype, puis la plupart des femmes entrepreneurs spirituelles ne sont même pas comme ça. Donc, on a aussi cette impression-là, qu'en tant qu'hypersensible, on va se mettre à... Ouf! C'est comme... On va avoir l'air de la fille qui est victime, on va avoir l'air de la fille qui n'est pas capable de contrôler ses émotions, qu'on va avoir l'air faible aussi. Mais en fait, c'est juste une question de changer des comportements, c'est juste une question de réajuster comment on est faite. Puis, si tu te déconnectes de tout ce qui est sensoriel en lien avec le passé, donc au lieu de te concentrer sur ce que tu voyais quand ta fille était malade, parce que j'ai des filles qui, qui retournent exactement dans ce moment-là, exemple. Elles apprennent dans le bureau du médecin que leur fille est tombée malade. Elle a un cancer, par exemple. Et là, elles revoient en détail l'hôpital. Elles revoient en détail tout ce qu'il y avait dans, dans l'hôpital, puis le médecin, puis la phrase qu'elles se sont dit dans leur tête. Puis quand elles arrivent pour livrer leur conférence, c'est tout ça qui est là. Fait que c'est normal qu'elles en vivent. C'est comme si elles revivaient vraiment le moment. Mais l'ancrage sensoriel sert à revenir ici, maintenant, aujourd'hui. Ta fille n'est plus malade. Et c'est une histoire du passé. Et ce n'est plus aujourd'hui, mais ça peut venir t'affecter encore. C'est normal. Sauf que là, tu es ici. Fait que là, tu regardes une chaise ou tu regardes un tableau. Ou encore, tu peux toucher à quelque chose pour te rappeler que tu es ici, que tu pas à l'hôpital. Fait que tu peux avoir un ancrage. Justement, qui est plus kinesthésique, toucher quelque chose. Tu peux avoir un ancrage visuel, regarder quelque chose. Tu peux avoir un ancrage aussi auditif, te connecter à des bruits qu'il y a dans la salle. Parce que sinon, tu vas être connecté aux bruits qu'il y avait à l'hôpital. Comprends-tu? fait que ça, c'est hyper intéressant à travailler et ça peut vraiment avoir un impact positif pour les femmes qui veulent prendre la parole puis être solides dans leurs interventions d'aller travailler ce genre de choses-là. Numéro 4, micro-pause stratégique. Souvent, les filles qui sont hypersensibles ont peur de faire des pauses. Je le sais parce que je travaille avec des filles comme ça. Que quand je leur dis de ralentir le débit, ralenti, et que je leur dis de faire des pauses, elles n'ont pas envie de faire des pauses. Elles ont juste envie de continuer de parler plus vite parce que parler plus vite, c'est une forme de protection aux émotions. Quand tu parles plus vite, les émotions passent moins. Donc c'est comme un filtre. Puis souvent, ben c'est plus facile de faire de cette manière-là. Parce qu tôt que tu ralentis, oh, l'émotion remonte. Si tu vas vite, l'émotion redescend. Donc, c'est important de faire des pauses, mais des micro-pauses stratégiques. Tes pauses ne sont pas seulement là pour faire monter l'émotion et la faire déborder tes pauses sont aussi là pour gérer tes émotions. Quand tu fais une pause et que tu sens l'émotion remonter, il y a des stratégies que tu peux utiliser pour, justement, contrôler. Mais pas contrôler, j'aime pas le mot contrôler parce que contrôler, c'est négatif, c'est énergie masculine, c'est, je veux pas que ça passe mon émotion. Mais ce que je veux dire, c'est plus apprendre à mieux gérer. Tiens, j'aime mieux ça. Apprendre à mieux gérer ses émotions. Ta pause peut servir à, OK, l'émotion monte et je la fais redescendre et je la, je l'en prends conscience, mais je ne la laisse pas passer. Ou je laisse passer une partie, mais pas l'autre partie. Et là, je sais que vite de même, des fois, ça n'a pas l'air concret ce que je dis. C'est pour ça que c'est des, des, des micro-techniques qu'on travaille, nous, avec nos clientes, parce que d'une personne à l'autre, ça va être différent, puis il faut, il faut faire du fine-tuning, il faut voir qu'est-ce qui est dérangeant pour la personne, puis c'est comme si on installait des micro-comportements. Comme si on reprogrammait un peu le cerveau d'une personne par rapport à une façon d'être qu'elle a toujours été. Et ce n'est pas juste comme OK, je vais redescendre l'émotion. Non, il y, y a comme un processus automatisé à mettre en place. Ça peut être une phrase que tu dis, ça peut être euh, une visualisation il y, a, il y a plein de choses, mais tout se passe en une fraction de seconde. Tu es en conférence, tu es dans un podcast, tu te fais interviewer. Donc, c'est de faire des micro-pauses, mais pas des micro-pauses dans un but que l'émotion remonte et que tu sois plus capable, mais plus dans un, une, un objectif de faire redescendre. Moi, dans mes pauses, je la sens l'émotion monter, mais je la canalise aussi, puis je la respire. Donc, ça, ça fait une différence. Numéro cinq, combattre l'autocritique et les doutes. Quand on est sensible émotionnellement. Les filles avec qui je travaille, qui sont très sensibles, doutent constamment d'elles-mêmes. Elles doutent de leur message, elles doutent de leur intervention, elles doutent de leur histoire. Il y a des jours que ça va bien, parce que moi, je les appelle souvent euh, les bipolaires de leur message, les bipolaires de leur intervention. Une journée, c'est bon, puis une journée, c'est de la merde. <laughs> parce que comme c'est des filles sensibles émotionnellement, c'est beaucoup l'extérieur qui détermine si elles sont dans une posture de confiance ou non. Fait que si, mettons, tu te lèves et que tu es dans une super bonne énergie, bien, tes sens vont être lumineux, hein, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est sûr que cette journée-là, tu vas te sentir solide, tu vas sentir que ton message est incroyable, puis ça va bien aller. Puis en plus, on va sentir, vu que tu es sensible, on va le ressentir ta lumière et on va faire Oh my God, you're a queen. Mais la journée que tu ne vas pas bien, par exemple, c'est l'effet contraire qui se produit. On le sent ça aussi énergétiquement que ça ne va pas. On le voit dans ton visage, on le voit dans ton expression, on le ressent dans ta manière de bouger ton corps. Et c'est ce qui fait que souvent, les hypersensibles ont besoin d'aller travailler leur zone de performance, leur zone d'éloquence. Parce qu'elles ne sont pas toujours performantes à la même égalité. Ça dépend de leur sensibilité de la journée. Ça dépend, est-ce qu'elles sont à SPM? Est-ce qu'il y a une lune? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose le matin? fait que c'est très, très intéressant. Et c'est ce qui fait qu'elles doutent plus. Parce que leurs émotions, elles en sont plus conscientes, donc elles doutent constamment. C'est des filles qui se posent beaucoup de questions. Si es-tu bon, si es-tu pas bon? Et le genre de doute qu'elles vont ressentir beaucoup par rapport à leur prise de parole, premièrement, elle a peur de perdre le contrôle émotionnellement. Ça, on le dit. Puis en fait, il y a beaucoup de croyances de choses que j'ai nommées depuis le début de l'épisode de podcast. Fait qu'elle a peur de perdre le contrôle émotionnel, elle a peur du jugement des autres peur de se faire juger par rapport à sa sensibilité, énormément peur qu'on la voie dans un état qui est, « Oh my God, elle est donc bien faible. » Ou encore, elle a peur de se tromper. Puis, si elle se trompe, elle va être sensible à ça. Donc, elle a peur de tomber aussi dans des pensées négatives. Elle doute beaucoup aussi sur la valeur de sa contribution. Elle est tout le temps en train de remettre en question son message, puis en fonction de son énergie, en fonction de « Est-ce qu'elle va bien aujourd'hui »« Est-ce qu'elle est dans une bonne vibe ?» Bien, elle va beaucoup douter sur sa valeur de contribution. Il y a des journées où elle, elle comprend sa valeur de contribution. Il y a des journées où elle comprend parfaitement, puis il y a des journées qui est comme elle remet tout en question. Puis elle a peur beaucoup aussi de ne pas répondre aux attentes parce que c'est tellement important les attentes du public, les attentes des gens qui l'écoutent, les attentes de sa communauté. Fait qu'elle a peur aussi de ça. Donc, c'est super important qu'elle arrête. <laughs> bon, je sais que ça a l'air facile, dis de même, et que ce n'est ne pas autant que dis de même, mais en travaillant tous les points que j'ai parlé précédemment aujourd'hui, en allant travailler justement se concentrer sur l'impact que tu vas avoir sur les autres au lieu de te concentrer trop sur ton histoire à toi, bien gérer ta posture Corporel, puis être conscient de tes réactions dans ton corps pour ne pas te blesser. L'ancrage sensoriel, donc te reconnecter dans le moment présent quand tu te sens trop dans tes, dans tes sens, quand tu sens trop que c'était ton mode sensoriel du passé qui t'anime. Les micro-pauses stratégiques pour venir respirer au lieu de te mettre à pleurer, par exemple. Tout ça, ça va aider à combattre l'autocritique. C'est sûr que moi, avec mes clientes qui sont hypersensibles, on va souvent euh, instaurer aussi euh, des phrases à se répéter, un discours interne à se répéter, un discours interne qui est positif, puissant, mais qui est réel pour la cliente. Dans le sens que, je le dis souvent dans mes épisodes de podcast, pas nouveau, là, mais moi, les affirmations positives, là, ça me passe par-dessus la tête. Je ne crois pas à ça partout. I'm sorry. Parce qu'une affirmation positive, c'est trop forte pour toi. Si l'affirmation positive, tu, ton inconscient ne veut pas l'avoir, ça ne marchera pas. Dans le sens que si tu dis, je suis la meilleure au monde et j'ai tout pour réussir, et que ton corps n'y croit pas, ça ne marchera pas, ton affirmation positive. Parce que si ça marchait, ça ferait longtemps que les citations inspirantes sur Facebook auraient fait leur effet. Ce qui fait qu'une phrase, une affirmation positive va fonctionner c'est que tu y crois. Donc, tu es mieux d'y aller avec quelque chose d'un peu plus doux, puis d'y croire, que d'y aller avec quelque chose de trop, trop, trop à l'opposé de toi, puis que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je vais aller travailler un discours interne qui est plus un discours interne d'évolution, qui va vraiment beaucoup aider les filles à s'aimer encore plus, à avoir confiance en elles encore plus, parce que la vérité, c'est que si elles veulent être plus solides... Elles doivent développer leur solidité intérieure. Une solidité intérieure qui est forte, une confiance qui est forte, et c'est ça qui va faire une différence. Et ce que j'ai le goût de dire en terminant, c'est que si tu es une femme hypersensible et que tu écoutes mon épisode de podcast aujourd'hui, oublie pas une chose. Tu as un don qui est incroyablement puissant à l'intérieur de toi. Tu peux même pas t'imaginer à quel point il est fort. Tu es probablement une des plus grandes oratrices sur Terre. Parce que tu as la capacité de transmettre des émotions que d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Toi, tu l'as, ça. Mais ce n'est pas en cachant cette partie-là de toi que tu vas impacter les autres, que tu vas transformer le monde, que tu vas aller chercher ton prochain niveau de croissance dans ta business. Ce n'est pas en cachant cette partie-là parce qu'elle te fait peur que tu vas y arriver. C'est en osant la dévoiler, mais en travaillant des outils de solidification. Qui vont faire en sorte que ça va être juste extraordinaire quand tu vas prendre la parole. Parce que non seulement tu vas inspirer, mais tu vas avoir aussi un impact dans la vie des gens et ça va avoir un impact dans ton abondance, ça va avoir un impact dans ton succès. Donc, souviens-toi que tu as tout ce qu'il faut pour que ça marche, c'est juste d'aller mettre les bons outils en place pour que tu sois encore plus solide. Donc, voilà. Je te souhaite une bonne semaine. Si ça t'a parlé, si tu sens que tu vas utiliser ces trucs-là prochainement, ben, je t'invite à venir me jaser sur Instagram. Oublie pas non plus de te procurer les billets pour l'événement du 15 juin prochain. Ça va être un événement qui va venir chercher vos émotions, les hypersensibles. <laughs> ça va être motivant, inspirant, mais c'est sûr que vous allez broyer. Moi-même, ça se peut que je broye. Donc, euh, je vous invite à prendre vos billets. Je t'invite à prendre tes billets. Puis, aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu as envie que je continue de faire des podcasts à chaque semaine. Donc voilà, je te souhaite une belle semaine. D'ailleurs, moi, je suis en petit congé. Là, pendant cinq jours, je vais en profiter. J'ai une amie qui arrive au Costa Rica. Puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Ciao!